Bonjour à tous, bonjour les cancers. Donc, je suis Katiana de Campos, médium et spiritualiste. Et aujourd'hui, je vais faire votre voyance pour le mois de décembre. Quelle sera votre énergie en décembre, les cancers? Cancer, décembre. Ok. Ok. Les cancers. Alors, ça va vous parler ou pas? Il va falloir être honnête avec soi-même. Okay. J'ai l'impression que... Alors déjà, vous avez sûrement des gens qui vous jalousent parce que vous avez l'air de tout avoir dans la vie. Mais j'ai l'impression que vous enviez certaines personnes. Peut-être que votre vie, elle n'est pas là où vous voudriez qu'elle soit. Et vous commencez à envier d'autres personnes, peut-être des gens que vous regardez aussi sur le net. Donc arrêtez ça, ne comparez pas. En plus que le net, c'est beaucoup de fausses choses. Mais vous avez envie, vous avez une grosse envie de retrouver votre vie d'avant, j'entends. Mais en fait, il faut... cette vie d'avant, elle ne vous convient plus non plus. Donc, vous êtes en train de recréer, vous êtes au début de recréer quelque chose de beaucoup mieux. Mais il y a cette énergie qui vous bloque, en fait. Cette envie, elle vous bloque. Et on vous demande, en fait, ici, d'aller vers votre... avec toute votre authenticité, être vraiment honnête avec soi-même. J'entends argent, argent, argent. Donc, est-ce que c'est l'argent qui vous manque? Est-ce que c'est un style de vie qui vous manque? Il y a des choses qui ne peuvent pas être les mêmes au jour d'aujourd'hui, d'accord? Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant et il y a encore un pas à faire. Il y a vos ancêtres, vos guides spirituels qui vous attendent et qui disent « viens dans cette direction ». Arrête de regarder cette direction et c'est ton ego qui te joue des tours. Tu as tout ce qu'il te faut et tu auras tout ce qu'il te faut, mais continue à avancer sainement. Ok? Ok. Il y a des travaux. Vous êtes en travaux de rénovation, d'accord? Concernant votre vie. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, il y en a qui vont comprendre. Donc en décembre, j'ai l'impression que votre travail va payer. C'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, d'accord? Votre travail va payer. Donc arrêtez d'envier, éliminez Internet, arrêtez de regarder Internet, ok? Ne me dites pas que vous ne le faites pas, vous le faites, d'accord? N'allez pas voir ces gens qui sont super riches, les mentions, les machins, les trucs, les voitures ou je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais... concentrez-vous sur vous, sur ce qui vous rend plus paisible à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'il y a une belle offre qui arrive, quelque chose de solide. Vous allez peut-être recevoir de l'argent. Vous allez pouvoir faire de l'argent sur le long terme, d'accord? Il va y avoir une... il va falloir vraiment vous concentrer, communiquer aussi, par exemple si c'est un boulot, communiquer que vous voulez tant par mois par exemple. Je veux un salaire de tant par mois. Communiquer les choses directement. Je voudrais avoir ce statut parce que j'ai travaillé dur, j'ai ça, ça, ça et ça. Ok? Ça va bien marcher pour vous, ça va vous permettre aussi financièrement de guérir, guérir votre situation financière, pardon. Mais faites attention aussi au burn-out, ok? Ça va vous demander d'être, vous allez être très occupé, vous allez devoir donner beaucoup de vous, de votre temps, de votre énergie, mais trouver le moyen de vous rééquilibrer, c'est très important si vous voulez vraiment avoir ce succès, d'accord?
Ok. Donc, il y a aussi une situation karmique concernant une femme dans votre vie. Ça peut être une mère, ça peut être une partenaire ou un ex-partenaire. Mais il y a une situation, il y a quelque chose concernant l'argent. Ok? Cette personne, je vois quelqu'un, en fait, j'ai eu la roue de la fortune. D'accord? Donc, pour moi, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui, ça peut être, vous avez peut-être des enfants d'ailleurs. C'est peut-être une personne qui va vous demander de l'argent. Quelque chose, c'est pas raisonnable ou c'est pas justifiable. C'est pas juste. Et ouais, c'est quelque chose qui. C'est quelqu'un peut-être qui essaye de vous bloquer pour avancer, pour certains. C'est quelqu'un qui essaye de vous bloquer, de ne pas avancer, de vous faire plutôt reculer. Donc faites attention, il va falloir peut-être régler cette situation et être juste, ok, avec cette personne. Mais de toute façon, je ne pense pas que vous vous laisserez marcher sur les pieds. Pour d'autres, ça pourrait être aussi, il y a quelque chose de karmique concernant votre business ou l'argent. Peut-être que vous aimez l'argent, mais ou de, le matériel, mais pas de la bonne façon. Et il va falloir réapprendre à respecter et aimer cet argent différemment. Cet argent ne vous fait pas. Cet argent ne fait pas la personne que vous êtes. Il ne vous représente pas. C'est quelque chose qu'on apprécie énormément. On en a besoin. Mais sans ça, vous devez comprendre la valeur que vous avez sans ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous a laissé en plan pendant un moment, pour certains. D'accord? Donc voilà ce qui se passe en décembre. En tout cas, il y a peut-être des choses un peu négatives sur lesquelles il faut travailler, mais dans l'ensemble, ça m'a l'air d'être très bien. Vous travaillez pour quelque chose de stable et j'ai l'impression que l'argent arrive ou en décembre ou début janvier. D'accord? Voilà. Haché.